Comme vous le savez, l'objectif de cette émission est de préparer la jeunesse à la relève du pays pour demain. Nous allons discuter aujourd'hui autour de la congolité, nous allons décortiquer la loi Tchiani et nous ouvrons la manche avec Josué Katika. Bonjour et bienvenue. Bonjour. À vous la parole. Merci beaucoup pour la parole. Nous parlons de la loi Tchiani qui fait l'actualité d'ailleurs. Moi je pense que la question n'est pas la loi, moi je pense que si le peuple s'est retrouvé ou se retrouve dans la gestion quotidienne du pays, on ne parlera pas de la loi où les gouvernants n'auront pas peur d'un individu. Et on ne peut pas mettre de l'ordre dans une société en discriminant les autres. Donc moi, je qualifie d'ailleurs cette loi une loi discriminatoire. Je poserai d'ailleurs la question à l'honorable, vous qui êtes député national. Et je crois que monsieur, récemment, j'ai suivi l'honorable Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Il a dit haut et fort que la loi a été reçue. Il a reçu la loi de monsieur Tchiani sur la congolité. Quels sont les avantages et les désavantages de cette loi de monsieur Tchiani? Bon, d'abord, il faut savoir que quand le président de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée nationale reçoit la loi, ça veut simplement dire que la loi est arrivée au Parlement et qu'elle va suivre son cours. Ce n'est pas le bureau qui reçoit. La lettre est adressée, ou la proposition ou l'initiative est adressée au président du bureau. Et ensuite, elle a tout un parcours qu'elle doit suivre. Donc, elle doit passer par le bureau d'études. Ensuite, elle devrait être programmée pour un débat général. Et voilà, je crois que chacun a son point de vue sur la question. Je ne parlerai pas en termes d'avantages ou de désavantages, je parlerai en termes de nécessité. Est-ce qu'au moment où nous parlons, ce serait nécessaire d'avoir une loi qui exclurait une partie de Congolais au motif que l'un des parents aurait épousé ou eu un enfant avec un non-Congolais? Est-ce que c'est nécessaire? C'est une question. Alors maintenant, lorsque vous voyez ce qui est avancé comme raison, on a tendance à faire une superposition avec la situation de l'Est. On a tendance à faire des raccordements frauduleux avec des cas de traîtrise, pensant que les Congolais ne peuvent pas trahir ceux qui sont de père et de mère, alors qu'on a bien vu que ce pays a été en majorité... Enfin, tout ce qui a eu de mal dans ce pays, les plus grands problèmes qu'ont connus ce pays ont été l'œuvre des Congolais de père et de mère. Donc maintenant, par des raccourcis faciles, on veut assimiler toutes les situations de traîtrise en créant une corrélation inadéquate avec le fait que ces Congolais ne seraient pas de père et de mère et ce serait la conséquence. Donc, nous aurons un débat. Je suis de ceux qui pensent que c'est pas une loi nécessaire, parce que d'abord, la question est réglée par la Constitution, il faudra changer la Constitution. Mais encore en allant plus loin, si on considère que, je l'ai dit dans une émission introductive hier, que deux Libanais blancs qui vivent au Congo depuis 20 ans et qui ont la nationalité congolaise ont un enfant... Cet enfant aura la nationalité congolaise parce qu'il est de père et de mère congolais. Pourtant, c'est un Libanais d'origine. Alors la question est de savoir est-ce que lui sera plus congolais qu'un Congolais métis dont la maman est belge et le père est congolais de père et de mère. C'est ça la question. Est-ce qu'on pourrait regarder ce Congolais mulâtre dans les yeux en lui disant « Toi, tu ne peux pas être candidat président de la République ». Mais lui, comme il est congolais de père et de mère, il peut être candidat président de la République. Donc pour moi, c'est un non-sens. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas opportun. Et aussi, il faut savoir que ce sont des lois qui excluent. L'exclusion, ça apporte la frustration. La frustration conduit à la rébellion. Et on risque comme ça d'avoir des atermoiements et des problèmes... des problèmes genre comme à Kwamout et tout ça, donc des problèmes beaucoup plus compliqués en allant vers l'exclusion. Je crois que ce qui se développe aujourd'hui, regardez les États-Unis, regardez aujourd'hui l'Europe, la tendance c'est se mettre ensemble, la tendance c'est homogénéiser, uniformiser les droits et faire faire honneur à la citoyenneté, militer à l'observance des droits et devoirs des citoyens. Et voilà ce qui est le plus important. Ça c'est mon point de vue. J'ai encore une autre question. Mmh. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est la persistance de cette loi.
Parce qu'on en a parlé il y a longtemps, M. Tchani a déposé cette loi il y a longtemps, mais ça a été réfléchi, je crois, une fois. Et pourquoi M. Tchani insiste sur la proposition de cette loi? Ce ne sera pas une affaire politique, soit pour écarter les autres, comme je l'ai dit au début, discriminer certains candidats aux prochaines élections. Bon, moi, j'ai appris qu'il est américain. C'est un Américain de Mbujimaï. Donc, maintenant, pourquoi il insiste? Il insistait avant pour devenir gouverneur de la Banque centrale. Aujourd'hui, et c'est pour des besoins politiques aussi, c'est une question de visibilité. Vous voyez, on l'appelle la loi de Tchani, mais lui, il n'est pas député. Celui qui a déposé la proposition de loi, c'est un député, c'est Nsingi Poululu. Mais je crois que lui, il a besoin de visibilité parce que d'abord, il était candidat. Il n'a jamais eu de parti, il n'a jamais animé un parti politique. On ne sait pas s'il sera encore candidat. Maintenant, on peut ergoter autour des motivations qui tirent les ficelles et ainsi de suite. Mais nous sommes dans une démocratie, le débat aura lieu. Et comme je vous le dis, moi je défendrai ma position, en tout cas je la défends publiquement. Il appartiendra à ceux qui se sentent visés de se coaliser et de faire en sorte que cette loi ne passe pas. Nous avons eu Kingu Andondo dans ce pays, il a fait un travail remarquable, il était même président du Sénat. Voilà, nous avons plusieurs personnalités, je ne vais pas citer les noms de tout le monde, mais il y a plusieurs personnalités parmi nous, les Olivier Kamitatou, il y en a plusieurs qui ont abattu un travail remarquable dans ce pays et qui ne l'ont pas pour autant trahi. Par contre, je peux citer d'autres qui n'ont fait que ça toute leur vie alors qu'ils sont Congolais de père et de mère. Donc aujourd'hui, quand vous allez dans le M23, il y a des Congolais de père et de mère, mais qui font la rébellion et qui tuent des Congolais. Les Congolais à Kwamouf qui se tuent entre les Yaka et les Teke, ce sont des Congolais de père et de mère, mais qui s'entretuent. Donc moi, c'est un faux problème, je continue à le dire. Et donc, pour ceux qui tirent les ficelles, s'ils existent, hein, naturellement, le débat aura lieu. Par contre, pour Monsieur Tchani, je crois qu'il a besoin de visibilité aujourd'hui. Lui, il a quand même tenu bon, parce que Oscar Kacha l'a tenu juste le temps d'une campagne et puis il n'est plus revenu. Lui, il est quand même resté, il a trouvé son créneau. Et son créneau, c'est cette loi-là. Mais voilà, c'est une démocratie, on débattra. Merci beaucoup, Nora. J'ai une dernière question. Ce ne sera pas une dernière question, vu que nous sommes dans un débat. J'aurai encore la parole, je pense bien. Pensez-vous que la loi, comme a dit M. Mbosso s'est adressé d'ailleurs à l'honorable, je cite Daniel Tsafou, au préalable que la loi sera passée, celui qui se sent piqué n'a qu'à prendre à lui-même. Est-ce que cette loi était déjà passée? C'est juste de ce qu'on voit là sur la télé ou Non, il y aura un débat, on n'imposera la loi à personne, il y aura un débat démocratique, il y aura normalement un vote et puis ça va passer au Sénat, donc... Je ne vais pas commenter les propos du président du bureau. Il sait que la loi suivra son cours. Elle va d'abord passer par le bureau d'études qui est censé constater que cette proposition de loi viole les dispositions constitutionnelles et la recaler, à moins qu'elle ait été amendée. Ensuite, elle viendra au Parlement et nous allons prendre les choses en main. Le président Mbosso n'a pas le droit de voter. Il va diriger le débat et la démocratie l'emportera. De toutes les manières, la partie qui perdra ce vote devra s'incliner. C'est ça le principe. Qui prend la parole? C'est madame. Merci pour la parole. Je reprends le nom de Rachel Kazadi Mouniou, étudiante en L1 Relations internationales à l'UPN. Pour moi, nous voulons un Congo uni. La congolité, en ce qui concerne un Congo uni, n'a pas la place. Dites-moi, il y a un monsieur qui, l'un de ses parents n'est pas congolais, mais n'est grandi ici au Congo. Il a la nationalité congolaise. Il a des ambitions un jour de diriger le pays. Et un bon matin, il se réveille, on lui dit que tu n'es pas autorisé de postuler comme président de la République. Qu'est-ce que vous allez créer dans la personne? La personne va avoir l'amour du pays ou bien il va haïr le pays. Même si il ne sera pas dans ces postes-là, là où il sera dans ce pays, il ne va pas bien travailler. Vous allez créer la haine dans la personne. Cette loi, pour moi, elle n'est pas la bienvenue. Merci.
Honorable, j'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a-t-il une place de la démocratie dans la Congolité? C'est ma question. Merci. Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Je viens de dire qu'il y aura un débat démocrate. Ceux qui sont pour cette loi vont argumenter. Ceux qui sont contre cette loi vont argumenter. Et ensuite, la dynamique de la salle va décider l'orientation du vote. Donc, en fonction du vote, on saura si la loi passe ou elle ne passe pas. Mais je parle de démocratie parce qu'il faudrait que nous comprenions que ça reste un débat. Une loi peut être adoptée aujourd'hui et modifiée le lendemain. C'est ça. On a élu un parlement pour qu'il légifère, qu'il fasse des propositions de loi, du contrôle parlementaire. Il y a des lois, des propositions de lois modificatives. Ça veut dire que les lois peuvent évoluer dans le temps. Mais en raison du contexte actuel, c'est-à-dire le contexte électoral et le fait qu'il y a la guerre, on va dire ça comme ça, créer une autre forme de tension en interne va nous affaiblir. Parce que bon, voilà, si on commence à se déchirer ici sur cette loi, alors que l'ennemi a déjà plus de 30 000 km carrés qu'il contrôle, on va encore ouvrir la brèche à l'instabilité. Et donc, à partir de ce moment-là, je considère que voilà, ce n'est pas la meilleure des choses qui puisse nous arriver. Mais nous sommes une démocratie, ça veut dire que n'importe quel citoyen peut être porteur d'une proposition de loi. S'il n'est pas député, il l'a fait endosser par un député. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il y a cette proposition, qu'il est condamnable. Donc, l'Américain Noël Chani estime qu'après avoir changé la nationalité, on devrait... Bon, ça commencerait peut-être par lui, hein, s'il est américain. Ça veut dire que si on démontre qu'il est américain, il ne pourra pas être candidat à la présidentielle. Donc, est-ce que c'est ça, c'est cela? Bon, après, je ne sais pas s'il est américain ou pas, mais les gens disent qu'il est américain. Donc, il est en train lui-même de s'exclure. Il est congolais de père et de mère, mais il ne pourra pas être candidat parce qu'il a la nationalité américaine. Et ce que je trouve contradictoire, c'est des gens qui parlent de cela et qui demandent en même temps la double nationalité. Au motif que ceux qui sont partis à l'étranger, qui ont été naturalisés, ont le droit de recouvrer leurs droits et ainsi de suite. Et pour cette partie-là, il y a un moratoire que nous n'avons pas encore résolu. Pour vous montrer, c'est un moratoire qui date de 2006 sur la double nationalité. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu le courage de faire un vrai débat pour savoir si finalement la double nationalité est consacrée au Congo ou elle ne l'est pas. Donc vous voyez que ce sont des questions sensibles et je crois que la période n'est pas indiquée pour soulever ce type de débat. Okay. Qui d'autre intervient? C'est madame. Pardon? Okay. Présentez-vous, hein, comme ça on entend. Merci pour la parole accordée. Je m'appelle Rebecca Mujinga, je suis étudiante à l'Université pédagogique nationale en G3 sociologie. Alors, je vais émettre mon point de vue après, mais je vais d'abord procéder par deux questions. D'accord. La première, honorable, dites-moi, en ce moment précis où nous sommes, où la guerre à l'Est bat son plein et les élections présidentielles et législatives pointent à l'horizon, est-ce qu'il faudrait parler de cette loi de la Congolité en ce moment précis? Et ma deuxième question serait, et s'il arrivait par exemple que cette loi entre en vigueur et qu'il se retrouve par exemple dans les circuits quelqu'un qui ne soit pas congolais de père et de mère, entre guillemets, et lui refuser d'exercer une fonction gouvernementale alors que cette personne détient une certaine expertise ou une compétence en la matière? C'est ça ma question. D'accord. Mais je crois avoir répondu en partie à cette question-là, en plus moins le premier volet. Je trouve inopportun, ce n'est pas le moment parce que le pays n'est pas stable. Maintenant, il faut copier ce qui est bien. Aujourd'hui, lorsque vous allez à l'étranger, nous avons même un bourgmestre à Bruxelles, le papa de Compagnie, il s'appelle Compagnie. Il est bourgmestre à Ganshoren, je crois bien. Il a été élu par des Belges blancs. Et il exerce cette fonction-là. Il est apprécié dans son travail. Et il rend des services à la communauté. Il est au service de la communauté. C'est des cas que nous voyons un peu partout.
Aujourd'hui, il y a des Belges congolais qui vivent en Belgique, qui vivent en France aussi. Il y a des Américains congolais qui vivent, qui gagnent leur vie. Il y en a qui sont dans l'administration. Il y a même un député maintenant en France qui est venu dernièrement ici, qui est un Congolais. Il est du parti, je crois, d'Emmanuel Macron ou des Insoumis. Mais il a été élu par des Français blancs parce que la qualité de ses prestations a été appréciée. Et voilà, on doit aller vers l'essentiel. Aujourd'hui, nous sommes l'un des pays les plus pauvres au monde. Ce n'est pas ces questions-là qui vont nous apporter le développement. Je ne vois pas comment on va continuer à se combattre entre nous, alors que nous remarquons très bien que le PIB de notre pays est produit à 80% par des étrangers. C'est-à-dire, vous dites à un Congolais, vous n'avez pas le droit d'exercer telle fonction parce que vous n'êtes pas Congolais de père et de mère, mais en même temps, toute votre économie est tenue par des étrangers. Vous les mettez en insécurité. Qu'est-ce qu'on va dire demain? Bon, aujourd'hui, demain, ce sera ne peut avoir une SA dans ce pays qu'une personne qui est congolaise de père de mère ne peut. Non, on va aller jusqu'où? Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, on devrait davantage évoluer vers des choses qui nous unissent et non des choses qui nous divisent. Et je ne pense pas que cette question résoudra quelconque problème, en tout cas des problèmes les plus majeurs que nous avons actuellement. Cette question de coupabilité n'en résoudra aucun. Et donc, oui, ce n'est pas opportun, parce que le moment est mal choisi. Et puis, finalement, est-ce qu'il y a un moment pour le faire? Parce que c'est vraiment inopportun de manière intemporelle. Et oui, effectivement, si on fonce dans cela, on va créer un désordre, parce qu'il y a des personnes qui avaient déjà occupé des fonctions. Et le lendemain que vous disiez que, bon, voilà, maintenant, vous ne pouvez plus occuper des fonctions parce que vous n'avez pas tous les deux parents congolais, ça peut créer des très grosses frustrations. Et puis, il y a une jurisprudence, ils vont vous dire, mais Mekengo était là, pourquoi pas moi? Voilà, donc au fait, la société ne doit pas régresser. Vous faites la sociologie, nous sommes appelés en tant que société à évoluer et prendre les bons exemples. Toutes les nations qui se développent fortement ont cette tendance-là à privilégier la citoyenneté et la compétence. Voilà, c'est ces questions-là d'origine et ainsi de suite sont des questions rétrogrades. Vous avez fini? Je me présente au nom de Père Sylvie Laurent, étudiante de la Université pédagogique de la Gombe. Ok. Juste, monsieur l'honorable, je voulais juste. Soyez à l'aise, bien le micro. Je voulais savoir. Que gagne l'État congolais en disposant cette loi? Je ne vois pas. On est en train de chercher. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est pour la loi. Il n'y a personne qui est pour la loi ici. Il faut qu'il y ait un débat, hein? Un débat contradictoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pour cette loi? Donc, voilà. Moi, je ne vois pas. Après, si quelqu'un trouve un avantage, il peut le dire. On va discuter. Mais moi, jusqu'à preuve du contraire, je ne vois aucun avantage à cette loi. Donner la parole. D'accord, excusez, juste une question. Quel est le véritable problème de la loi cherchée à résoudre dans ces domaines? Il y a beaucoup d'arguments qui ont été avancés, ce ne sont que des hypothèses. On parle de trahison, du fait que lorsqu'on est congolais de père et de mère, on ne va pas trahir sa patrie. Le contraire serait que lorsqu'on a un parent qui n'est pas congolais, et si ce parent est d'un pays voisin qui nous attaque, on aurait tendance à trahir le pays au profit de la nation pour laquelle votre cœur bat ou son cœur bat. Je crois que c'est les seuls arguments. C'est de la phobie autour de la trahison. C'est des questions comme ça. Mais pour moi, ça reste des choses vraiment très 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 subjectives. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Raphaël Kalombo, étudiant à la faculté des droits. En troisième année graduée à l'Université pédagogique nationale. Pour moi, je trouve que la loi, elle est tellement nécessaire pour que nous puissions l'adopter au pays. En fait, je peux prendre plusieurs pays du monde ou d'Afrique. Chaque pays a son organisation, en fait. Pour accéder à la présidence, il y a quand même quelques conditions. Le Sénégal, plusieurs pays. Et moi, je trouve que la loi Tchani, bien qu'elle ne peut pas apporter quelque chose au développement du pays, mais elle va quand même réduire quelques problèmes. Bien évidemment que le moment n'est pas propice
mais la loi, elle est tellement nécessaire. Lui-même, Monsieur Tchani, lorsqu'il est allé au Parlement, je vais sur sa chemise. Il y a un verset de la Bible qui dit, tu ne prendras pas pour étranger comme roi. Même la Bible les reconnaît. Ce n'est pas nous qui allons s'opposer à ça. Bien sûr, les Congolais de père et de mère peuvent toutefois trahir aussi. Mais il y a quand même l'amour de la nation. Je prends par exemple, moi, mon père, l'exemple, mon père est burundais et ma mère est congolaise. Je suis président de la République. C'est un exemple, hein? C'est un exemple. Oui. Okay. Parce que vous ressemblez à un Burundais, donc. Non. Je suis m'assurer que c'est un exemple. Non, c'est un exemple. Je donne cet exemple. Je suis président de la République. Et il y a un conflit entre les deux pays, le Burundi et la RDC. Je serai partagé. Je ne saurais pas de quel côté je vais me pencher, au fait. J'aurai un sentiment pour le Burundi et un sentiment pour le Congo. Vous voyez déjà que je ne serai pas partial, au fait. Bien que je vais trancher le problème. C'est un sérieux problème de la congolité. Partout au monde, aux États-Unis, pour devenir président de la République, tu dois être né américain et avoir passé au moins 14 ans sur le sol américain. C'est un grand problème ici au pays aussi. Bien que notre constitution a un sérieux problème, mais j'aimerais demander à M. Tchani, je suis d'accord avec sa loi, mais il n'a pas bien pour commencer avec le processus, au fait. Il devait d'abord demander qu'on puisse modifier l'article 10 de la Constitution, qui dit ceci, est congolais d'origine, toute personne se trouvant sur les sols congolais ou appartenant à un groupe ethnique, à l'indépendance, au fait. Donc, toute personne qui s'est trouvée sur les sols congolais à l'indépendance est congolais d'origine. Donc, il a toutefois déjà tous les devoirs civiques d'appartenant à un Congolais. Et l'article 79, si je ne me trompe pas, de la Constitution dit, pour être président de la République, vous devez nécessairement être Congolais d'origine. Vous voyez déjà. Donc, une personne se trouvant sur le sol congolais à l'indépendance a tous les droits de devenir président de la République parce qu'il est Congolais d'origine. Vous voyez que, donc, M. Tchani a de bonnes initiatives, mais il n'a pas bien procédé au processus, au fait. C'est un peu ça. Moi, je suis d'accord avec sa loi, mais je demanderais qu'il commence à demander qu'on modifie la Constitution. Pas toute la Constitution, mais cet article-là. Mmh. Et la loi pourrait passer. Oui, vous pouvez. Je vais commenter d'abord ce qu'il a dit. Je commente ce qu'il a dit et puis vous allez rebondir. Mais honorable, j'ai une petite question. Allez-y. La question est celle-ci. Comment le bureau de l'Assemblée nationale, vous qui êtes député, pourrait accepter une loi qui est en contradiction à la Constitution? D'accord, c'est une bonne question. Je vais d'abord commenter. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Le problème de l'Afrique, c'est qu'à un moment donné, nous acceptons nous-mêmes qu'un État est dirigé par une personne ou par la volonté d'une personne, par ses émotions et par ses sentiments. Il y a un problème qui est structurel. Prenons le cas d'Obama. Imaginez-vous qu'il y ait un conflit entre le Kenya et les États-Unis. Vous pensez qu'Obama aura la possibilité de décider en faveur du Kenya? Mais non, parce qu'il y a des contre-pouvoirs. Il y a une organisation structurelle qui ne lui permet pas de matérialiser ses préférences. Et nous devons créer des contraintes structurelles dans notre pays au travers de nos lois. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis de père rwandais et de mère congolaise que le Rwanda attaque le Congo, que j'ai la possibilité de décider, comme ça je dis, bon, écoutez, arrêtez la guerre, ne vous battez pas. Non, cette possibilité vient du fait que nous, les Congolais, nous considérons que la concentration du pouvoir, que le fait qu'il y ait un président qui a des pouvoirs concentrés, est quelque chose de normal. Le problème, ce n'est pas que son cœur penche. Le problème, c'est comment est-ce qu'il va matérialiser cette préférence? Est-ce que les lois, le cadre organique, le cadre structurel lui permet de matérialiser ses préférences? Lorsque nous allons atteindre ce niveau-là, nous allons atteindre le développement. Parce que regardez aujourd'hui, il y a combien de Congolais qui travaillent à l'étranger? Il y en a même aujourd'hui qui enseignent dans des universités au Rwanda et qui ne sont même pas inquiétés. Vous serez étonnés, vous allez à l'université de Kigali, vous allez voir des professeurs congolais qui ne sont pas inquiétés. Donc, le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Nous avons un défi en tant qu'Africains. Notre défi, c'est un défi de développement. Nous avons une population qui est jeune,
Et nous avons des défis sociaux, des défis sécuritaires. On a eu d'autres émissions dans lesquelles on parlait de ces défis-là. Donc aujourd'hui, est Congolais, celui qui était sur le sol congolais, ça pouvait être, on va dire, j'ai donné le cas d'un Libanais. Il y a des Libanais qui étaient ici depuis les années 60, qui ont fait des enfants Libanais tout blancs. Vous allez accepter un Libanais à la tête du Congo et refuser un métis, par exemple, ou même pas un métis, un Congolais noir dont la maman est zambienne. Qui a déterminé les frontières en Afrique? Ce n'est pas vous, les Congolais. Qui a dit que vous êtes Congolais et que l'autre est Burundais? Ce n'est pas vous. Ceux qui l'ont fait sont déjà passés à une autre étape. Aujourd'hui, lorsque vous allez en Europe, vous êtes Italien, vous quittez l'Italie, vous touchez votre chômage, vous allez en France, eh bien, vous allez continuer à toucher votre chômage. Ils ont enlevé les barrières parce qu'ils ont compris que le défi de développement et de citoyenneté impose une certaine hauteur. Il y a de Congolais de père et de mère criminels. Alors je dis bien criminels, c'est-à-dire ce qu'il fait, personne ne peut le faire. Il faut que vous soyez Congolais pour faire ce genre de choses. N'allons pas loin, prenons les délits de droit commun que nous avons ici. Prenons même la nuisance sonore. Nos enfants n'étudient pas bien. Ils reviennent de l'école à 13 heures. Barre bête à musique, ma casse est minuit. Bon, et puis si moi, on attend un examen. Ce sont des étrangers qui font ça, non? Il pense pour lui, il pense, il faut être comme un sanglé. Il s'en fout des dégâts qu'il environne, ou qu'il commet, ou qu'il occasionne. Donc, il faut prendre ces questions-là avec beaucoup de froideur. Et en plus, s'il y a un verrou, le président de la République, il n'est pas nommé. Au-delà du débat que nous avons au Parlement, si, dans l'argumentation d'une campagne électorale, vous fustigez le fait que votre adversaire n'a pas la nationalité congolaise de père et de mère, eh bien, ceux qui pensent comme vous ne vont pas l'élire, et là, il ne passera pas. Mais pourquoi ça doit être prédéterminé dans une loi alors que notre constitution est claire? Pourquoi on devrait, au motif qu'on a peur que tel ou tel autre devienne candidat, prédéfinir ces choses-là dans la loi au lieu de laisser les Congolais librement? Un Congolais peut voter un Chinois président de la République si ce Chinois va travailler pour l'intérêt de la République. Nous ne sommes pas dans une République où nous pensons qu'on n'a pas des affinités, genre, voilà, oui, il faut que ce soit un Congolais. Non, ceux qui pillent ce pays sont des Congolais. Ce qui devrait vous intéresser, c'est quand vous allez finir vos études, quel est, entre guillemets, cet individu? Ces individus, je parle de gouvernement, qui sera en mesure de rencontrer vos préoccupations pour que vous ayez un travail. Quelles sont les compétences dont nous aurions besoin pour développer l'emploi, développer la sécurité sociale, développer l'économie, et ainsi de suite? Les questions de « il vient de Chine, sa maman est chinoise » sont des questions rétrogrades qui ne résolvent aucun problème. Oui. Merci beaucoup, honorable. Je voulais un peu pas contredire, mais dire quelque chose parce que je suis pas d'accord avec lui. Derrière, la contradiction intervient. Et il a bien parlé de l'article 10 et l'article 79. Moi, je pense que le problème, je l'ai dit au début, ce n'est pas la loi Tchani. Parce que si aujourd'hui on doit rester dans la logique selon laquelle celui qui doit être président ou ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, doit être nécessairement congolais de père et de mère, on tape à côté. Vous avez par exemple honorable Jean-Jacques Mamba, qui n'est pas congolais de père, mais qui est congolais de mère. Il a des ambitions pour développer ses pays, de belles initiatives. Vous allez lui mettre à côté parce qu'il y a la loi Tchani qui dit il doit être président celui qui est congolais de père et de mère. Non. Vous avez Obama aux États-Unis d'Amérique, qui est 50 Kenyans, 50 Américains. Il faut tenir compte des réalités culturelles. La constitution que nous utilisons, c'est une constitution adoptive qui ne tient pas compte de nos réalités, de nos valeurs. Aujourd'hui, un Angolais peut diriger le Congo. Moi, j'accepterai. S'il a la volonté, l'amour de faire développer ses pays. Un Angolais, l'Angola faisait partie du Royaume du Congo. Si on peut oublier l'histoire, il faut toujours se référer à l'histoire. Lorsqu'on se réfère à l'histoire, on a la capacité de dire ce qu'il faut. La Constitution, elle est adoptive, avec une réalité étrangère, une réalité qui ne cadre pas avec nos valeurs. Un Rwandais, un Angolais qui dirige le Congo, qui a l'amour, qui a les soucis de développer ses pays, moi j'accepte, je lui voterai. Il y a des Congolais comme honorable Jean-Jacques Mamba dit,
des Congolais de père et de mère, qui ont trahi ces Congos, qui ont même voté pour la balkanisation de ces grands Congos. Ce sont des Congolais de père et de mère. En tout cas, je ne suis pas d'avis, je ne suis pas d'accord. Parce que si aujourd'hui le peuple se retrouve dans la gestion quotidienne de l'État, on ne parlera pas de la loi de Tchani. Rappelez-vous, à l'époque de Mobutu, on parlait pas qui, on par, est-ce que cette question a été traitée? Cette loi des Congo, qui est Congolais, qui ne l'est pas. Parce que les Congolais, à l'époque, les Aïrois pensaient qu'ils vivaient très bien. Par contre, on pensait pas à la vie future. Pourquoi seulement cette année, ou pourquoi seulement pendant la préparation des élections, on doit soulever la question de la loi Tchani? Moi, je pense que c'est d'abord un enragement purement politique, et on veut écarter certains Congolais parce qu'ils sont Congolais, il faut qu'on se le dise. Ils sont Congolais parce qu'ils ont contribué pour le... Ajustez le micro. OK. Ils ont contribué au processus de développement de ces pays. Je citerai, par exemple, monsieur Katumbi, qui fut gouverneur, dans le Haut-Katanga. Aujourd'hui, si on peut citer le plus belle ville, je prends dans l'ensemble, il y a le Lubumbashi qui figure. Vous n'allez pas me dire que Kimbuta, qui est de père et de mère congolais, a mieux gouverné le Kinshasa qui a tombé, qui a gouverné le Lubumbashi. Donc, il faut choisir des grandes questions, proposer des décisions importantes, des lois importantes qui peuvent apporter en plus au processus de développement de notre pays. Merci beaucoup. Donnez peut-être, il y a la dame qui... Merci, honorable. Je réponds au nom de Rissène Matondo. Je suis étudiante à l'ISP Gombe, âgée 3K Tourisme. Alors, honorable, j'ai une petite question à vous poser. Croyez-vous la proposition de la loi Tchani serait bénéfique pour la sécurité nationale et territorial, s'il vous plaît? Non, je pense qu'on vient, on en a parlé, hein. C'est des arguments qui vont s'opposer, c'est des discussions qui auront lieu. Moi, ma position, je la garde. Vous savez, moi, je suis congolais de père, de mère, d'arrière-grand-père et d'arrière-arrière-arrière-grand-père. Donc, ça ne me touche pas personnellement. Je suis juste lucide. Je ne défends pas, je suis pas contre cette loi par rapport à un intérêt particulier, mais je reste logique. Ma manière de faire la politique, c'est celle-là. Quelque chose qui est bien, j'apprécie. Quelque chose qui n'est pas bien, ben, je vous dis que je ne trouve pas ça bien. Donc, cette loi, pour moi, est rétrograde et elle va nous apporter beaucoup de problèmes. Elle ne résoudra pas les problèmes sécuritaires et elle ne résoudra non plus les problèmes de cohésion nationale. Nous avons maintenant besoin de cohésion nationale. Et laisser ouvrir une discussion sur cette loi. Vous savez, nous avons 9 frontières, 9 pays voisins. Et j'ai eu le privilège d'aller dans plusieurs provinces. Lorsque vous allez à Mushiku et que vous êtes au Katanga, vous avez la même langue, vous avez le même peuple. Lorsque vous êtes chez moi au Kasaï central, vous avez une frontière avec l'Angola, c'est le même peuple. Vers le nord de l'Angola, là-bas, c'est le même peuple. Lorsque vous êtes dans le Bandundu, Kayemba, ou lorsque vous allez dans certaines frontières, je crois qu'il y a une frontière avec le Congo-Brazzaville. J'étais à Uvira, par exemple. À Uvira, il y a la frontière avec le Burundi. C'est pas loin de Bouja, donc ça se fait en 30 minutes en voiture. Je veux dire qu'il y a un moment donné, le roi Léopold II a commencé à faire ses tracés. Et effectivement, il a divisé des peuples qui sont pareils, qui ont les mêmes habitudes culturelles, qui ont la même langue, qui sont finalement un même peuple. Et c'est tout à l'avantage de l'Europe, de l'Occident, que nous évoquions ce genre de débat, parce qu'ils ont encore besoin de piller nos ressources naturelles. Et elles ne peuvent être pillées que dans un contexte de conflit, où on monte les uns contre les autres. Si nous nous mettons ensemble et nous commençons à réfléchir comme eux, l'Europe disparaîtra. Regardez la France aujourd'hui. J'ai vu le dispositif militaire des CRS qu'on avait mis pour empêcher la marche concernant la réforme des retraites. Mais j'ai vu des scènes de Kinshasa. On a tapé des gens sérieusement. Allez sur les réseaux sociaux, il y a plein de vidéos. On traite Macron de dictateur et ainsi de suite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Europe est essoufflée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de ressources.
Et tout l'avantage de l'Afrique, c'est d'avoir une population jeune et avoir des ressources. Et c'est dans ce genre de débat qu'on va rester dans des conflits, qu'il y aura un marché d'armes ouvert, parce que tous ceux qui fabriquent des armes sont à la pas des conflits militaires pour les vendre, et l'Afrique reste un terrain propice. Regardez dans toute l'Europe, maintenant, bon, ils ont eu l'occasion avec l'Ukraine et tout ça, mais il y a eu combien de mois d'accalmie? Prenons l'Europe occidentale, hein, la France, la Belgique, le Luxembourg. Aussi, au moment de Massa Sébetakuna. Donc ça, c'est un marché qui est mort. Aux États-Unis, en interne, pour les armes légères, oui, parce que les gens s'entretuent, la communauté noire et ainsi de suite. Et puis avec l'amendement, le deuxième amendement, tout le monde peut porter une arme. Ce marché, mais est-ce que ce marché est suffisant pour faire vivre ces sociétés? Elles ont besoin que nous continuions à nous entretuer. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Je donne un exemple, peut-être pas dans notre pays. Nous excluons une partie de la population au motif que, bon, tous ceux qui ne sont pas de père et de père congolais n'ont pas accès à telle ou telle autre fonction. Ils nous poussent vers là, et puis ils vont de l'autre côté, ils disent, mais comment on peut vous exclure? On peut vous aider à vous défendre? On va vous donner des armes. Et ils commencent la guerre. Eux, ils vendent, c'est un marché, parce qu'ils savent que vous êtes, entre guillemets, des petits cons, et que, pour des questions d'une certaine légèreté, vous êtes capable de brûler un pays. Vous voyez un peu ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire. Il y avait l'ivoirité. Avec Alassane Ouattara, les gens se sont tués, les gens sont allés à la CPI, et ainsi de suite, mais, est-ce que ça servit à quelque chose? Aujourd'hui, je vois que Gbagbo est rentré, il est avec Ouattara. Je vois que Macky Sall veut changer la constitution pour faire un troisième mandat. Il est de père et de mère sénégalais, mais regardez ce qu'il veut faire. Ça veut dire que soyons froids. Moi, je prendrai le temps qu'il faut avec les étudiants, Tshisuki, Mutu, Mombeko, Masuki, Apembe, pour parler avec les jeunes. Parce que si vous ne faites pas le nécessaire, vous restez dans la manipulation politicienne. Vous continuez à réfléchir avec émotion. Vous prendrez des décisions avec émotion. Et vous allez constater, comme moi je le constate aujourd'hui, que plus de 30 ans après l'indépendance, nous restons le pays le plus pauvre au monde. Alors qu'en Afrique, il n'y a aucun pays qui a le potentiel que nous avons. Que ce soit Bamineré, Kakaté, vous prenez notre potentiel hydraulique, les fleuves et tout ce que vous voulez. Nous avons tout et nous sommes le plus pauvres. Pourquoi? Parce que Toubet Arbama Solo, des pères et des mères, le premier ministre sera issu d'une famille autre que celle du chef de l'État. Dialogue inclusif, concertation nationale. On est dans des trucs vraiment comme ça. Et ça nous prend 2 ans. J'ai vu un débat sur la Constitution et article 70. J'ai jamais vu ça au monde. Moi-même, je faisais partie de ce débat-là. Le chef de l'État reste en place jusqu'à Mais te bêtes en haut, 2 ans. Et Bandi 2014, 15, de ce qu'on fait avec la télévision, l'article 70. C'est une perte de temps énorme. On peut penser développement, on doit penser génération future. Il y a des défis. Est-ce que vous savez qu'on va nous faire la guerre de l'eau, par exemple? La cuvette centrale est en train d'assécher les eaux, et le Soudan et le Tchad font pression pour on a tout ça là-bas, dérivation, Bazouamaï. Et la pression, Bazouamaï, je suppose que ceux qui t'ont commis dans 10 ans et que Bazoukoukaté, nous ferons la guerre pour ça. Il y a des défis qui arrivent et vous devez être au fait de ces défis-là. Ces choses-là sont rétrogrades. On doit aller vers l'avant. Voilà. Merci pour la parole. Je crois que je vais me présenter comme une invitée. Moi, c'est Marina Nakiaï Alimasi. Honorable, j'ai une question pour vous. Non, premièrement, je vais commencer par donner mon avis sur la loi. Moi, personnellement, je crois que je dirais que je suis contre et pour. Je commence par le pour. Je vais plutôt commencer par le contre parce que ça a vraiment une grande penchant. Voilà, je veux dire que je suis contre parce que personnellement, je crois que le moment est mal choisi. Je pense que si on a le temps de bien étudier cette loi et que on essaie un peu de modifier certaines choses. Pour l'intérêt des Congolais par rapport à la citoyenneté, je pense que ça fera bien quelque chose de bien en fait, mais à la longue. Je crois que par rapport à la conjoncture actuelle, je peux dire la situation de Congolais, mon pays se meurt. Je veux juste parler, par exemple, de l'Est de la République, parce que je suis là. C'est bien... ça fait une fierté de voir un Congolais qui dirige
le Congo, mais en bien. C'est, ça fait une fierté. Mais aussi, on n'oublie pas que la traîtrise ou bien le, la trahison, c'est pas écrit sur le front d'une personne qui est de père et de mère. Mais par contre, quand on est, par exemple, on regarde dans toutes les constitutions, bien par exemple dans des entreprises ou bien je peux dire tout ce qui est congolais, et qu'on voit toujours à la tête, il y a des gens qui ne sont pas congolais, ça fait mal. Ça fait aussi mal. Je crois que pour moi, il devrait juste attendre le bon moment et revoir, retourner dans son laboratoire, bien étudier sa loi par rapport à la constitution et par rapport aussi aux avantages des Congolais. Pour moi, là, c'était mon avis. Et je reviens sur vous. Vous êtes élu du peuple. Moi, je pense que mon pays, le Congo, il y a un problème de manque de d'informations par rapport à la société, les citoyens. C'est bien, j'ai aimé le fait que vous partagez avec les jeunes, parce que l'avenir de demain, c'est la jeunesse. J'ai aimé. Mais à part la jeunesse, il y a aussi, en dehors de la jeunesse, il y a tous ces gens-là qui vous ont voté. Ces mamans-là qui vendent du pain, ces jeunes cordonniers, ces papas, je sais pas, plombiers, tout, la population qui vous a voté. Je pense que c'est un problème de sensibilisation, de manque d'information, carrément mal informé ou ignorance totalement. Qu'est-ce que vous faites pour cette population? Enfin, de les informer normalement, pas par rapport à l'intérêt personnel de ces candidats que vous êtes, mais cette information, parce que j'essaie un peu d'expliquer ma question, parce que cette loi, si aujourd'hui elle prend ampleur et que peut-être malheureusement, en ces moments, elle est votée, je pense que ça va créer une guerre civile. Parce qu'on va s'en traiter carrément. Personnellement, quand j'entends une personne dire « Et vous, de l'Est, vous êtes des nationalités douteuses », je regarde cette personne et je me dis « Ah bon ? Et pourquoi tu dis ça ? Non, on ne connaît pas avec vos noms là et tout. » Le vôtre, accents. C'est déjà comment le nom ? Ouais, il faut noter ça. Comment il faut noter ? Ouais, je dis ça. Rien à voir. Je pense que pour revenir, je vous rejoins sur le fait que en fait, on doit plus se pencher sur la citoyenneté et non la communauté, parce que l'amour de son pays, c'est tout ce qu'il y a de plus beau. C'est la motivation même de tout, te récite. Parce que je sois étrangère et que j'aime mon pays, le Congo, que j'ai prends comme un pays, à supposer que je suis pas congolaise. Supposons. Je suis pas congolaise et j'aime le Congo. C'est mon pays, je l'aime trop. En dehors du fait que je ne suis pas congolais. Et j'ai l'amour de ce pays. Et je viens, je dis non, non, les gens souffrent, je dois faire quoi? Peut-être je sors mon argent personnel pour aider. Peut-être j'appelle, appel d'offres, je ne sais pas quoi, pour créer quelque chose, pour arranger la situation. C'est bien. Mais par contre, je voulais demander, je reviens sur ma question pour ne pas me perdre. Qu'est-ce que vous faites étant qu'élu du peuple? La première question. Qu'est-ce que vous faites pour que ces peuples ne soient pas perdus dans le... Parce que la politique aujourd'hui au Congo, c'est comme une tante à l'Est qui disait chacun tire la couverture de son côté, en fait. On dit plus la vérité comme elle doit être. Par rapport à ses intérêts, on dit, on transforme l'information. Et malheureusement, le peuple qui est mal informé... Je vais perdre votre question. Oui, je suis toujours dans cette question. Toujours dans cette question. Qu'est-ce que vous faites pour que cette population ne se perde pas dans le faux du vrai ou bien dans le vrai du faux? D'accord, c'est ça, ma question. Merci. C'est la première, il y en a une autre. Je vous laisse répondre et puis je reviens. Non, donnez les deux comme les ça. Deux, ok. Et la deuxième question est... ma deuxième question sur toujours la population. Je reviens sur toujours sur la loi Tchani. Je reviens encore... par rapport à la population qui vous a voté, qu'est-ce que vous faites aussi, en dehors de cette information, la sensibilisation sur les vrais du faux et les vrais, le faux du vrai, pour ne pas me perdre, et qu'est-ce que vous faites pour aider cette population à
à sortir de non seulement l'information, mais avoir l'amour de son pays. C'est-à-dire, on peut être informé, mais on dit carrément mes intérêts d'abord. Parce que aujourd'hui, les gens se disent ah, moi, pour tous ceux qui m'ont touché, raison est un bon moyen. Il y a des gens qui ne peuvent pas l'endroit des députés. Les loyers à l'obibo et l'obo balkabiso. En tout cas, si quelqu'un a son argent, je crois que je vais voter pour cette personne. Et dans cette, ce qui est triste, qu'est-ce que vous faites vous pour que ces Congolais-là, cette population que vous voulez, que vous représentez, qui dont vous avez cet amour, qu'est-ce que vous faites pour que ça n'entre pas dans cette l'amour propre de son pays, qui ces virus qui entachent la citoyenneté de cette population en fait. D'accord, merci. Je peux répondre? Ok. Bon, déjà, le principe de l'émission, c'est que je ne parle pas de moi. Nous avons, il y a des gens qui pensaient que nous sommes en train d'évoluer vers quelque chose qui n'est pas encore dit en ce moment, un parti politique ou non. On n'est pas dedans. On ne parle pas de moi non plus, ce que je fais. Mais vous méritez une réponse aussi. La population dont vous parlez, vous êtes un échantillon de cette population. Après, c'est vrai que je suis en contact avec d'autres échantillons, les mamans maraîchères, les cordonniers, on se rencontre aussi dans d'autres cadres. Il y a beaucoup de projets sociaux que nous initions et on continue avec ces projets-là. Et je suis quand même assez étonné parce qu'en fait, ce ne sont pas des sujets qui préoccupent les Congolais. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous parlez, si je reçois 10 personnes, 9 personnes viennent me parler de la vie chère. 9 personnes viennent me parler des difficultés qu'ils ont à scolariser leurs enfants. Et je crois qu'une nation, un pays, un gouvernement devrait avoir ça comme priorité. C'est-à-dire que si nous avons des comptes à rendre, c'est des comptes à rendre qui devraient faire le lien entre notre potentiel et ce que nous réalisons en tant que dirigeants. Dire ce que nous réalisons en tant que dirigeants et comment est-ce que notre société évolue. Qu'est-ce qui est en termes d'innovation? Qu'est-ce qui est en termes d'avancée au bénéfice des populations? Je crois que les débats politiques devraient tourner autour de cela. Malheureusement, comme je viens de le dire ici, la plupart des débats tournent autour de... Bon, voilà, maintenant, tous huit congolités, hier c'était autre chose. On aime bien créer des débats, entre guillemets, futiles, parce que j'appelle ça comme ça, et s'écarter de l'essentiel. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde veut aller en grève. Les professeurs veulent aller en grève, les médecins veulent aller en grève. Dernièrement, c'était les taximens qui sont allés en grève. Pendant 2 jours, il n'y avait pas de transport en commun. Mais vous n'allez pas voir des gens marcher pour ça. Vous verrez simplement un politicien qui va vous dire « la loi Tchani, venez, on sort parce qu'il faut que le candidat président soit de père et de mère ». Vous le voyez sortir et il sort affamé. Parce qu'il sait qu'à la fin, il aura 2000 francs, il aura 3000 francs. Le prix du pain augmente, le Congolais ne va pas marcher. Le Congolais s'est fait tuer dans ce pays pour la Constitution. Les fosses communes et tout ce que vous voyez, c'est pour des débats qui ne sont que politiques. Alors qu'en réalité, nous avons un pays qui doit à ses concitoyens la bonne vie, qui doit à son concitoyen des bonnes prestations au niveau de la santé, des prestations sociales. Et nous ne sommes pas en mesure de fournir ces prestations, mais nous avons quand même la capacité de mobiliser des gens pour des débats qui n'intéressent que nous, l'exclusion ou l'inclusion à une élection présidentielle, le non-respect de la Constitution, parce que bon, moi, je vais devenir président en 2016, toi, tu restes là en place jusqu'à l'installation du nouveau président. Allez, venez, on va marcher parce que il n'a pas respecté la Constitution. En fait, les gens acceptent de mourir parce que la Constitution n'a pas été respectée sous la houlette d'un politicien qui veut devenir candidat président de la République, mais les gens ne sont pas prêts à mourir parce que la vie est chère. Les gens ne sont pas prêts à mourir parce qu'ils n'arrivent plus à payer le Minerval ou les frais académiques de leurs enfants. Donc vous, les jeunes, vous devez débattre froidement. Aujourd'hui, ce débat intéresse qui? Est-ce que la maman du marché est intéressée par Congolais de père et de mère? Elle qui prie tous les jours pour que son enfant ait un travail chez un Indien et qu'on lui paye 100 dollars. Qui va faire une louange, faire un témoignage parce que son fils a eu un emploi à 100 dollars chez un Indien. Vous voyez que cette femme-là, vous lui parlez de Congo de père et de mère, elle va vous écouter. C'est ce garçon qui a la possibilité de travailler chez les Indiens, qui a la possibilité de travailler chez les Chinois et qui est peut-être le seul dans le quartier à avoir un travail rémunéré, vous allez lui parler de père et de mère? Ce sont des choses qui n'intéressent que les politiques et pendant des moments qui sont un peu plus suspects. Raison pour laquelle j'aimerais qu'on ait un débat froid qui peut intervenir peut-être après les élections pour qu'on voit vraiment si c'est nécessaire. Parce qu'aujourd'hui,
notre constitution est claire sur le sujet. Et ceux qui l'ont rédigé avec beaucoup d'intelligence parce que c'était une constitution qui devait concilier, qui devait être la plus inclusive possible, de sorte que tous les belligérants déposent les armes, qu'elles soient votées par référendum et que nous soyons tous d'accord sur le fait que le président de la République ne peut pas faire plus de 2 mandats, qu'on ne pouvait pas exclure des Congolais au motif qu'ils avaient des origines un peu compliquées du processus électoral. Tout cela a été dit dans cette constitution et aujourd'hui revenir à zéro alors que nous n'avons même pas résolu des problèmes essentiels. Il y a des problèmes essentiels, nous les fouillons. Nous ne sommes pas capables de répondre à ces problèmes, mais nous venons avec des problèmes faciles où on peut appeler les gens italiens, siciliens. Moi, je ne suis pas du parti d'ensemble. Je ne défends pas le président Moïse Katumbi. D'ailleurs, je ne le connais pas. Il m'a vu une fois, je l'ai vu une fois. Je ne suis pas en contact avec lui. Mais je parle et je défendrai toujours les principes. Parce qu'il peut m'arriver, moi, aujourd'hui, je suis déjà marié, et il pouvait m'arriver à un moment donné que je rencontre une étrangère, que je me décide de l'épouser, que nous ayons des enfants et que j'entende Chani dire que mes enfants ne peuvent pas postuler à la présidence de la République alors que lui est américain de Ngandajika. Ça, je peux pas accepter. Donc, c'est un débat que nous devons faire de manière... Oui, nous devons... que nous devons faire de manière dépassionnée, être froid dans nos analyses et voir aussi ce qui se passe ailleurs. Obama est un exemple vrai. On l'a attaqué aux États-Unis. On a dit qu'il n'était pas né là-bas, qu'il était né, je crois, à Hawaï et ainsi de suite. Il est allé au Kenya. À part danser avec sa grand-mère au Kenya, qu'est-ce qu'il a fait pour le Kenya? Vous croyez que lui pouvait dire, bon, écoutez, je veux un budget $1 million maintenant pour le Kenya. Qui allait exécuter le budget? Il allait faire face à la Chambre des représentants. Et la presse allait tellement le ramasser, qu'il n'allait même pas oser. D'ailleurs, ça peut être même un avantage, parce que généralement, vous allez remarquer que les gens qui se sentent pas vraiment chez eux se radicalisent. Parce qu'ils savent que quand je vais poser tel acte, on va dire je le pose parce que. Donc, il ne va même pas le poser. Mais celui qui est congolais de père et de mère, il ne va pas se gêner, parce qu'on va pas lui opposer le fait qu'il y a un parent qui est étranger. Donc, voilà, ça c'est mon point de vue, vous pouvez avoir des points de vue contraires, mais en tant que futur cadre dans ce pays, oui, je vois que ça brûle, mais il faudra lui donner le micro pour la dernière question. En tant que futur cadre dans ce pays, apprenez davantage à vous intéresser à ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de relever le défi dans plusieurs secteurs. Sécuritaire d'abord, parce que nous sommes attaqués, socio-économique et même culturel. Et ça sera peut-être un débat dans une autre émission, mais bon, je vous laisse la parole, comme on nous signale qu'on finit. Merci beaucoup. L'honorable, s'il vous plaît, vous avez dit quelque chose qui m'a tiqué. Vous avez dit la Constitution a été rédigée pour satisfaire toutes les parties prenantes. Bien sûr, je peux vous dire que cette Constitution a été écrite sous pression. Je peux dire ça. Voilà pourquoi il y a eu quelques failles que nous devons combler dans les années avec cette loi de Moïse Tshiani. Je ne dis pas que nous puissions l'adopter aujourd'hui, mais nous pouvons, même dans le futur. Je traîne, je marche avec ma constitution partout. Je veux pas, je suis un juriste, bien sûr. Un juriste burundais. Comme je disais, que cette constitution a été rédigée sous pression pour que certains belligérants puissent abandonner ou déposer les armes. Déposer les armes, si je peux dire ça. Vous savez, l'institution président de la République est exceptionnelle, en fait. Nous ne pouvons pas comparer cela à d'autres postes, ministres, ceci, cela. Et chaque pays au monde a son organisation concernant le président de la République. Vous ne pouvez pas prendre l'institution président de la République comme toute autre institution, quand même. Vous avez bien expliqué, et j'ai bien aimé votre explication, monsieur l'honorable, et moi, je ne suis pas toujours d'avis avec vous. Je ne suis pas toujours d'avis avec vous, parce que à chaque fois que nous aurons un problème, on va toujours commencer à recourir sur le président de la République. À supposer qu'un, je ne sais pas qui, est à la tête du pays, qui a une nationalité douteuse. Pas douteuse. Il n'y a pas de doute sur sa nationalité. Il a juste un parent qui n'est pas congolais. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas une nationalité douteuse. Mais bien sûr. Doute s'installe lorsqu'on ne sait pas exactement s'il est de quelle nationalité. Mais le fait d'avoir un parent belge ou américain ne fait pas de vous
Vous n'avez pas une nationalité douteuse parce qu'un de vos parents n'est pas congolais. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas douteuse, c'est juste une nationalité congolaise. Mais pas de père et de mère, mais juste de père ou de mère. Mais je ne trouve pas où est le problème, parce que si nous adoptons cette loi, je ne trouve pas les grands problèmes par rapport à ça. Parce que chaque pays a son organisation concernant le président de la République. Il y aura un problème, parce qu'on va se demander qui est congolais qui ne l'est pas. Vous parlez d'un danger sociologique. Qui est un Congolais, qui est de père, et qui a par exemple un d'une fille qui est de père congolais, de mère burundais ou ougandais, qui ne peut pas assumer le poste de la présidence de la République. Mais c'est incroyable. On vous a donné une marmaille des exemples ici, une litaine des exemples. Donc vous voulez pas toujours comprendre. Tu as bien expliqué que la loi Tchani, il y en a déjà dans la Constitution, dans l'article 10, je crois que tu l'as dit au début. Mais est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème où il y a une nécessité d'accorder ou de donner l'occasion à M. Tchani d'expliquer encore cette loi, car ça existait déjà. Je ne pense pas. Il y aura pas un danger sociologique. Nous sommes dans un état où moi j'appelle uni dans sa diversité. Le Congo, avant que ce soit Congo, il y avait d'abord le royaume Congo, d'où il y avait Angola. S'il y a un Angolais qui peut diriger aujourd'hui le Congo, en tout cas pour moi, ça ne me fera pas. Bon, je crois qu'on va, un peu clôturer ce débat parce que je crois que la réalisation nous l'a dit. Notez ceci. Vous avez deux verrous. Vous pouvez poser votre verrou dans la loi. Mais je pense que s'il y a un Congolais de mère ou de père qui est apprécié par la population, qui peut être élu par cette population, il faut lui donner sa chance. Parce qu'à la fin, c'est la population qui décide. Cette même population peut même décider de modifier la Constitution. C'est-à-dire que vous la changez aujourd'hui, vous mettez cette loi, le lendemain, un autre pouvoir arrive, on fait un référendum, on change ça. Le problème, ce n'est pas celui-là. Il faut qu'à la tête de l'État soient hissés les meilleurs d'entre nous. Point barre. Et quand je dis d'entre nous, les personnes avec lesquelles nous vivons, les personnes que nous connaissons, les personnes qui ont fait du bien pour ce pays. On peut vous ramasser un Congolais de père et de mère de je ne sais où. Vous allez sacrifier un dont la mère est angolaise ou ougandaise, au profit de celui dont les deux parents, qui vous tue le pays, qui vous le balkanise. Donc la question n'est pas celle-là. La question est, est-ce que le Congolais a le droit de se choisir librement ses dirigeants? S'il veut choisir un Chinois, ah, pour l'année, un Chinois. Mais si ce Chinois-là développe ce pays en 5 ans, mieux que les 60 dernières années qu'on a passées, tout le monde sera content. Tout le monde a un travail, le pays se développe, il y a des routes, il y a des chemins de fer. Congolais de père et de mère, ce n'est une garantie pour rien du tout. Ça ne garantit rien du tout. Et d'ailleurs, nous sommes spécialistes, tout à l'heure, dans la poteau, dans la statistique, on vous dira, il y a pas criminalité en France ou en Belgique, catégorie, il y a bateau, babo maraté. Mais criminalité financière, après les Camerounais, c'est nous. Donc, Congolais, Arabes, Loura, Bachek, Kouyiba, on nous connaît de père et de mère, Moussa, Napsou et moi. Yo, on se privilégie. Non, le problème, c'est la citoyenneté. Et le Congolais de père et de mère ne vous garantira rien du tout. Donc, je pense que je vous remets l'antenne pour permettre à la régie de clôturer le débat. Voilà, merci. C'était un débat autour de la loi Tchani. Éclairer les zones d'ombre, présenter les réels tableaux dans tous les secteurs de notre pays, préparer la jeunesse à pouvoir prendre les meilleures décisions demain, à être les bons dirigeants pour faire développer ce pays. Ce sont là les objectifs que nous nous sommes assignés dans le concept de la relève. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très bientôt pour un prochain numéro. Si vous êtes intéressé à participer, contactez-nous au 081 97 99 640. Au revoir.